Bonsoir Bernard et bonsoir à vous toutes et à vous tous. Que la fédération a voulu faire passer comme message? Le message, c'est déjà depuis 175 ans, la FFC soutient la filière du véhicule industriel urbain et nous voyons aujourd'hui la montée en puissance de Solutrans. Donc j'ai voulu que ce clip passe pour la bonne et simple raison, c'est un message de remerciement à tous ceux qui nous ont précédés à la Fédération française de carrosserie. Je voudrais surtout, avant tout, remercier tous les élus qui se succèdent à la fédération. Et je voudrais que ce soir, on ait une pensée pour Joseph Limner qui nous a quittés. Je voudrais remercier les 70 partenaires qui travaillent avec nous tout au long de l'année. Non, c'est un mensonge. Il y en a 68. Voilà, 68 partenaires. Je les remercie. Cette année, la FFC a lancé Mobily Job parce que nous avons tout bêtement 40 000 emplois à pourvoir. C'est une plateforme qui a été créée par la FFC avec Monster, le premier mondial, et avec Pôle emploi. J'ai quand même une grande nouvelle à annoncer. Solutrans et la FFC sont en train de nouer un partenariat avec WorldSkills. Ce sont les Olympiades des métiers. Over the WorldSkills Competition 2023 is Lyon, France. Je souhaite que nos apprentis d'ici 2023 se disent « Je serai au WorldSkills 2023 à Lyon ». Il n'y a pas de grande filière sans grand salon. Donc on va tout faire à la FFC pour monter encore en puissance. Aujourd'hui, Solutrans fait partie des 10 plus grands salons mondiaux de la mobilité. Et je vais finir, c'est grâce à vous tous les exposants. Vous avez des stands magnifiques, tout le monde le reconnaît aujourd'hui. C'est une grande édition, c'est grâce à vous. Merci encore. Madame Veronica Wang Danielson. Kära svenska vänner som är här idag också. Pour la deuxième fois consécutive, mon pays, la Suède, est à l'honneur et j'en suis très fière. Notre objectif climatique est d'atteindre une neutralité carbone d'ici l'an 2045. Pour y parvenir, nous espérons réduire les émissions de CO2 de 70% dans le domaine des transports en 2030 déjà. Et nous pouvons y arriver. Mais un pays tout seul ne peut rien face à tous ces défis. C'est pourquoi nous œuvrons sans relâche pour que la coopération entre nos deux pays se poursuive. J'ai eu le privilège, cher Patrick, de recevoir un certain nombre de distinctions tout au long de ma carrière de diplomate. Mais jamais, jusqu'à présent, je n'ai reçu le titre d'homme de l'année. Et pas n'importe quel titre, celui de la filière véhicule industriel et urbain 2019, décerné par la Fédération française de la carrosserie. C'est un très beau compliment et j'en suis très fière et très reconnaissante. Et je trouve que Madame l'ambassadrice est vraiment la représentation parfaite de l'homme de l'année, dans la mesure où effectivement la France et la Suède font beaucoup de choses ensemble. Donc, félicitations pour votre démarche. Je suis très heureux de vous remettre ce prix, très heureux de célébrer également l'amitié entre la Suède et la France. Madame l'ambassadrice, félicitations.
winner of the International Pickup Award for 2020 is the Ford Ranger. The winner of the International Van of the Year 2020 is the Ford Transit Custom Hybrids. Truck Innovation Award is focused on alternative trucks. I mean LNG, CNG, pure electric, fuel cell electric, and whatever. The winner is Hyundai H2. Is given every year to the truck that made the most important contribution to road efficiency. And the winner is Mercedes-Benz Actros, new Actros. D'accueillir sur scène ce soir pour le Gala Solutrans 2019 The Rabbits. Sweet Lowry in a mountain found she was a woman, but she was another man. All the cows around her say she's got it coming, but she gets it while she can. Okay, ladies, I feel hot tonight with that show.